va chercher s'appuyer sur le numéro 15. Touré, Seydou Ben. Long ballon sur Kwame. Meïti, ils ont 3 minutes pour refaire leur retard. Mais ils ont du mal à avoir des solutions offensives, des angles de tir du côté de la FAD. Allez, on va mettre le jeu. Baroudeur. Ouais, sa coiffure particulière. Ah oui. Allez, on repart avec Sanogo Ismaïla. Ce ballon. Voici Vassotier. On garde toujours ce ballon, mais ils ont du mal à trouver dans la profondeur. Parce que là, c'est bien, la sec ferme tous les espaces. À gauche, avec Landry. Et qui permet donc aux Ivoiriens de récupérer ce ballon. Eux qui mènent au score. Et Sanogo, dégagement loin devant. On cherche Kwadio Kang. Il va récupérer ce ballon devant. Derrière plutôt. Burkinabé. Ah oui, il faut souligner la qualité hein, de cet arbitre-là. Tout comme les nôtres également. Hein. Quand il s'agit de la finale de la Coupe du Faso, ouais, ils finissent toujours avec des notes positives. Ce sera difficile de voir cette équipe de la FAD perdre deux finales consécutives. Oh, la déviation, attention, attention. Et encore une charge sur. C'est la folie en ce moment dans les tribunes. Ce ballon aérien, très bien remis par Fulgence dans la profondeur. Idriss avait senti le coup. Mais tactiquement, il était bien placé le gardien de la SEC. Il a senti venir ce ballon et avec la pluie, ce ballon qui fuse. La déviation au passage de Kone Samba. Voilà Idriss qui avait battu Wanlo dans l'appel. Hein. Voici Atoula. À gauche avec la Sina. C'est la défense du FC San Pedro qui récupère ce ballon. L'eau de Fabrice Zegueï. Pour. C'est un bon ballon. C'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Ah, l'opportunité bon pour ballon. Béranger. Ah, voilà. Quelle défense. La belle défense. Quelle défense. Ah ouais, mais mal joué aussi de la part de l'attaquant. Hein. Béranger n'a pas bien mis. Il devait mettre son corps en opposition. Il a fait. Voilà, là, il donne l'occasion au défenseur de rattraper. Ouais. Sinon, c'était une très belle balle. C'est dommage. Attention. Amos. Attention, attention, attention pour Sanogo Ismaïla. Ah, c'est un défenseur. Hein, qui... Avec beaucoup plus d'allant dans le jeu. Là, pour le coup, c'est l'Aïtika qui est en train de progresser, de gagner du terrain avec ce ballon pour Raza Koulibaly, revenu côté gauche, mais il va perdre ce ballon. Ils prennent le temps, ils prennent le temps pour construire. Quand vous avez une équipe qui est constellée de joueurs issus des centres de formation, eh bien vous appliquez dans la construction. Sa titaille, Coro, voici Serge Yao, c'est pas bien donné pour Haruna Ibrahim Moussa, le défenseur de la FAD a du mal à redresser ce ballon, c'est ça. Qui s'appuie sur Amaro Forotagba, le nouvel entrant. Amekosi, quand on est dans une position axiale, va manquer sa passe en profondeur. Qui élimine et qui va s'appuyer sur Trabi Anthony qui écarte la menace et quel contrôle peu académique avec Sankara Karamoko. Oui, il n'a pas pu maîtriser ses appuis.
Ali. Il s'appuie sur Zouzou Franck Carlos. Il y a deux Zouzous dans ce match. Landry pour... Akedou a vraiment marqué les esprits. Ils sont tous présents pour ce dernier match. Il envoie au premier poteau. Très bien tiré. Le poteau s'est repoussé par une tête bleue de la FAD. Nguessan Sambinoël. Qui va permettre au Guinéen de repartir. Touré lui-même qui se dégage, pied gauche vers Mohamed Camara. Tête de Franck, Stéphane qui accompagne le contrôle de Sanga Koulibaly. Pour l'instant en train d'être remporté par la SEC Mimosa. Allez, attention à ce ballon. On prend trop de risques avec Ismaïla. Olivares a trouvé Ismaïla Ouattara. La quatrième Dogou. L'intention était bonne, malheureusement Mofossé n'a pas assez tourné la cheville et le ballon a été du pain béni pour le gardien de but. Et la défense des hommes du plateau avec Ousmane Ameïté. Sango Ismaïla. Les cinq dernières minutes de cette première période, Alandry Zouzou est obligé de repartir. Repasser par... Oui, parce que la FAD a changé son organisation.